Sahara occidental. L'Espagne reconnaît son erreur à demi-mot. Le changement de position de l'Espagne sur le dossier du Sahara occidental a eu des répercussions sur les échanges économiques avec l'Algérie. Jusqu'à présent, ce gouvernement a campé sur ses positions, malgré les critiques de l'opposition et les réclamations des hommes d'affaires espagnols qui traitent avec l'Algérie. Cependant, les choses semblent évoluer. Le gouvernement espagnol reconnaît à demi-mot que sa décision de changer de position sur le Sahara occidental n'a pas été très réfléchie. En effet, selon le journal espagnol El Independiente, le gouvernement espagnol admet, pour la première fois, que les conséquences de cette décision sur les relations commerciales avec l'Algérie, jusqu'alors le principal partenaire gazier, n'ont pas été mesurées. Le gouvernement espagnol reconnaît donc qu'il ne pouvait ni savoir ni prévoir les conséquences d'une décision qui reconnaît le plan marocain d'autonomie au Sahara occidental comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du conflit.